Bobo Israël est prêt à répondre à toutes les incursions dangereuses de l'équipe adverse, l'ancien gardien du cercle sportif Don Bosco. Après deux matchs sans succès, l'association sportive Maniema Union de Kindu a comme mission principale d'arracher les trois points cet après-midi. Une mission difficile mais pas impossible car l'adversaire c'est donc FC Les Aigles du Congo qui n'a pas perdu jusqu'à là dans cette phase des playoffs. Il y a faute sur le joueur. Parce que Dombele Luta Ladio est blessé. Le pénis va au bout, les gardiens vont pas être là-dedans. Je vais avec moi sur le coup. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1. Début d'anthologie. Des dribbles. Des métaux, il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat d'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui. Participer à toutes les catégories de l'équipe nationale, que ce soit les U17, U20, U23, l'équipe A', et même l'équipe A, il a été présélectionné en moment. Payel Bataba. Pour Bobo Israël. La longue balle et la déviation pour Tumekoum actuel. C'est bien sécurisé par Exusia Mwanda Kiamwanda. Onoya Sangana. Lupini Maoku avec Onoya Sengedan.
C'est bien géré par les unionistes. Très bien construit quand même, belle sortie des balles avec Moutoula Deni, vu qu'il s'est fermé dans ce couloir par Onoya Pito, le capitaine Webono Kanga. Des samouraïs, belle passe transversale, balle à titan, la passe dans le dos. Tu sais, Wanda Kiamanda, il s'appuie sur son petit pied parti, Lunga Chibanda. C'est fou pour Lupini Mauku, l'ancien des New Jack, équipe qui évolue actuellement en Ligue 2. Lupini Mauku, l'ancien coéquipier des Mokobe Mokebe, l'actuel sociétaire de la Renaissance du Congo, et aussi des Wantete Chancel. Onoya Sangana, belle phase. Et oui, c'est très bien transmis, mais le contrôle manqué des Bomakinda sur cette passe. Richard Onoya Sangana. Il y a position de hors-jeu, ça a été signalé. Webono Kanga pour Payel Bataba. Bataba qui rallonge à son coéquipier, à l'occurrence, Elton Kaembe Mujanaï. La lamballe de Webono Kanga. Belle réponse et Moutouila Deli. Quito à Rodrigue, la mantille de la poitrine. Très bien géré par Payel Bataba, les Brazzavillois, IFC, les Aigles du Congo. C'est une touche pour les unionistes, tout quitté par le petit frère des Michel Kélia Lina Abedi. Bataba Payel avec les mains sous commun. Ils ne sont pas si pressés jusqu'à là. Les samouraïs veulent construire dans leur camp avant de se projeter et d'asséger les camps de Manye Manyo de Kindou. Kikwa Mujinga pour son coéquipier. Attention avec cette balle. C'est fou. Le capitaine de cet après-midi, c'est fou. Belle intervention de Payel Bataba, la lutte au milieu des terrains. Il y a faute, il y a faute. Et oui, Divin Galamoumé, très bon match. Maniema Union, les Aigles du Congo, les deux clubs qui sont serrés au classement. Et la victoire est si importante cet après-midi. C'est vrai qu'il n'y a pas de petits matchs dans cette phase de la compétition. Et là, FC Les Aigles du Congo, Maniema Union, c'est l'une des plus belles affiches, de grandes affiches bien sûr, de cette phase de play-off. Tout à fait. Cette tête si molle qui ne dérange pas du tout Nathan Mobaeloa, qui relance donc Lupini Mauku avec Lina Abedi. Lina obligée de réjouir avec Lupini Mauku. Maniema Union qui cherche la solution pour sortir de son camp et d'aller faire du mal aux samouraïs des FC Les Aigles du Congo, la faute des Kiko Amujinga sur Tusse Mwanda Kiamwanda. C'est fou avec Lupini Mauku. Lupini qui réjoue avec C'est fou. C'est vraiment serré, c'est très serré dans cette première partie. Tu l'as déni, la mauvaise passe, mais la faute, il a été déséquilibré, estime l'arbitre du match. Ah oui, il y a raison que ce match-là soit serré, parce que les points sont très chers dans cette étape de la compétition. Et il n'y a pas assez d'écart entre les deux formations, bien tout sûr. Tout à fait. Oh là là, la frappe des Rodrigue Kitoa, et quelle parade de Moubobo Israël, l'ancien gardien des cercles sportifs d'Ombosso Moubobo. Quelle belle réponse de Moubobo Israël. Ah oui, hein, le réflexe d'attaquant de Rodrigue Kitoa. Aussitôt il retrouve ce ballon, bien lancé en profondeur, bien sûr, entre deux défenseurs de Aigles du Congo. Et là, il arme sa frappe. Heureusement pour les Aigles du Congo, il y a cette main ferme d'Israël Moubobo. On va suivre les corners. Exécuté par Moutoula Deni au premier poteau. C'est renvoyé. Fayidumbo. Bomakinda avec Onoya Sangana. Moutoula Deni obligé de faire participer Mobaeloa.
Nantamo Baeloa. Le jeune gardien de l'association sportive Maniamayo de Kindou. Et l'intervention de Manasseh Mbono Kanga. Il y a quelque chose qui a été détecté par l'arbitre du match suite à cette intervention de Manasseh Mbono Kanga. Je pense que ça reste une belle partie qui peut s'enflammer d'un moment à l'autre. Parce que de part et d'autre, il y a des joueurs capables de créer des actions, d'aller créer des actions dans des petits espaces, d'aller créer des actions inattendues à l'instar de cette action de Rodrigue Kitoa. Entre deux défenseurs du FC Les Aigles du Congo, il a réussi quand même à inquiéter Israël Moubobo. Je pense que du côté Aigle du Congo, Rodrigue Kikwama et tous les autres joueurs, ils sont capables également d'aller mettre en mal le gardien de Maniema Union. Tout à fait. Et ton KMB Moujanaï. Pour Kikwama Moujinga. Et l'intervention autoritaire des Mwandake Mwandek aussi à l'ancien des Rangex et des Blessing Football Club. Mkoko Amale. Incroyable ce qui démontre Mkoko Amale avec beaucoup d'autorité. Et là il se laisse. Il rentre plus dans le spectacle. Alors qu'il avait très proprement récupéré ses ballons, il pouvait tranquillement jouer avec ses coéquipiers. Et voilà, c'est son style déjà, on le sait, mais ça doit pas. Il ne doit pas en faire de trop. Il doit rester aussi concentré dans le match. Et oui, Dieu merci Mkoko Amale. Donc c'est le directeur de Montema Pepe. Il va se faire soigner. Il est obligé de quitter en entendement la partie. Et ton KMB pour relancer cette explication. Et ton KMB Moujanaï qui est devenu le patron de cette défense des samouraïs des FC Les Aigles du Congo. Une bonne défense des FC Les Aigles bétonnée avec ton KMB ou encore Payel Bataba, Manasseh Mbono Kanga, Koko Amale, pourquoi pas pour Samba et Yale. Elton Kaimbe, c'est de jeune mais très expérimenté. Il faut voir le parcours de ce joueur. C'est Forbes, Bellor Academy à l'époque, JST, JSK, Maniema Union. Aujourd'hui, du côté des Aigles du Congo, c'est un très bon défenseur. Belle lecture de jeu. Il sait faire la relance des courtes et longues passes. En tout cas, il sait les faire. Attention avec cette tête. Très mal ajustée. L'assistant signale que c'est un corner, mais l'arbitre du match reste ferme sur sa décision. Ah oui, hein, c'est normal, c'est lui qui était plus proche de l'action. Ça peut arriver qu'il ne dise pas la même chose, mais James il a pris la bonne décision. À toute vitesse, pas des positions litigieuses. James Momakida, il y a faute sur James. Non, rien du tout, estime l'arbitre du match. Bois, au milieu de terrain. La pour relancer Wembo Nokanga. La lambale de Wembo, la déviation de Lina Abedi. Un peu gêné par Djoumekou, il arrive à changer les chemins de cette balle. Attention, Matobo Moubalou. Matobo lancé de Jack Trésor. Matobo il va tenter de percer. Et c'est léger. Le bon retour de Sefou. Totalement. Le bon retour de Sefou. Il couvre le côté de Lina Abedi qui était débordé après son tacle manqué sur le jeune Ibrahim. Magnifique relance pour Jazz Momakinda, le centre de Jeff. Non, c'est pas très bien ajusté. Balatitan va tenter d'insister. Le centre des Balatitan, c'est la tête de Manasseh Mbono Kanga. Le contrôle manqué de Yudumbo. C'est parti Lunga Chibanda pour son coéquipier. Exusia Mwanda Kiamwanda. Le centre d'Exusia. Encore Manasseh Mbono Kanga pour tenter d'écarter les dangers à 70%. Oui, c'était une belle descente de Maniema Union. Le centre de tout à l'heure, s'il était très bien ajusté, je pense qu'ils auraient inquiété Israël Moubobo et ses défenseurs. Malheureusement, ce centre-là était trop enlevé. Et ce qui a permis bien sûr à cette défense de se replacer et empêcher cette action. Moutou Ladeli qui va tirer le corner. Le centre et Moutou Ladeli, la tête de Lupini Maoukoura. C'est bien logé dans la lucarne. Lupini Maoukou, buteur contre les cercles sportifs Don Bosco. Et cet après-midi, il vient d'ouvrir la marque. Les cercles Don Bosco. C'est un bon.
cette équipe de l'AS Maniema Agnan de prendre le devant dans cette rencontre contre FC Les Aigles du Congo. Il a très bien utilisé sa taille et aussi le marquage n'y était pas du côté de la défense du FC Les Aigles du Congo. Et voilà Lupini qui fait utiliser sa taille. Ce n'est pas pour la première qu'il marque avec cette équipe lors de la phase classique. Il a marqué deux buts lors de cette de Mané Maignan de Kindou. C'est pas une surprise de voir Mané Maignan mener les aigles. Non, c'est pas une surprise. Et surtout que sur le banc de cette équipe de Mané Maignan, il y a un certain Papi Kimoto qui sait utiliser le qualité, le gabarit de ces joueurs, bien sûr, les potentiels, j'allais dire, de ces joueurs. Et c'est que des garçons comme Pati, des garçons comme bien sûr Ilunga Tibana, ils peuvent défendre et jouer au même moment. Un très bon passeur, buteur également. Et là, le buteur de tout à l'heure, Lupini, avec sa gabarit, défensivement ou offensivement, il peut apporter quelque chose à l'équipe. La lambale de Manasseh Wembo, Onokanga, c'est la tête de Xusia Wanda Kiamanda. Ballon dégagé par l'ancien de la région du Congo, Mbala Titan. Et Ton Kaembe qui va tenter de faire douter Rodrigo Kakitoa. La balle a mordu la ligne des touches. Une belle bataille aussi entre ces deux-là. Deux garçons talentueux. Le défenseur Elton Kaembe ainsi que l'attaquant Rodrigo Kakitoa. Je pense que ça va être une belle bataille également. Kakitoa Rodrigo de la tête. Balle à Titan qui tente d'imiter l'exercice. C'est dégagé par Dieu merci Moukoko Amale. La réponse. Adeloupini Maoukou. Est-ce qu'il y a faute? Pas du tout. La lutte aérienne avec cette déviation des Payen Bataba Moutoula Deni pour temporiser. La patte de Moutoula pour Mbala Titan. Titan qui centre. Kitoa de la tête. La réponse de Moubobo. Quel arrêt de Moubobo Israël. Mais regardez aussi l'élan que prend Rodrigue Kitoa pour catapulter ses ballons. En tout cas, je le disais tout à l'heure, c'est un nouveau attaquant. Et dans les camps des samouraïs, il y a Divengala Moulumé, Moutoula Gedi qui cherche la bonne position. Ilunga Chibanda pour James Bomakida. James, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Le centre de James, Moutoula à la tête, c'est raté. Mais ce n'est pas fini, qu'y a-t-il? On dirait qu'il y a une position litigieuse signalée. Non, c'est bien sûr une remise en touche. L'attaquant de Mané Maignan n'a pas voulu, bien sûr, suivre cette action. La touche avec Dieu merci Moukoko Amale. C'est très bien défendu par Sefou Masumko, le capitaine de cet après-midi. Parce que Ndombele Lutualadio est blessé. C'était lors du match contre le secteur Lupopo où Maniema avait perdu à la maison 1 contre 3. C'était vraiment très dur pour Maniema Union de perdre à la maison face à Lupopo. C'est cette équipe d'ailleurs qui a enchaîné deux matchs parce que avant bien sûr cette défaite contre Lupopo, c'était une autre contre le tout puissant Mazembe. Et là, petit à petit, cette équipe de Mané Maignan, bien sûr, et là petit à petit, ils sont en train de retrouver leur niveau qu'on a connu bien sûr lors de la phase classique où cette équipe de Mané Maignan a fait douter tout le grand, battant bien sûr la Svita Club lors du match aller tout comme lors du match retour. Je pense que effectivement, mais aussi la renaissance du Congo. Voilà, je pense que Papi Kimoto a trouvé les ressources nécessaires pour réarmer le moral de ces hommes. Et surtout, ça fait deux matchs sans succès pour Mané Maignan de Kindou. Donc deux matchs successifs, la défaite 1 contre 3 face à Lupopo et les résultats nuls des obus partout contre Vita Club. Effectivement. Ils ont vraiment envie d'arracher les 3 points cet après-midi face au FC Les Aigles du Congo. Et surtout en déplacement, ça va leur faire du bien. Autant ils ont perdu des points contre Lupopo à domicile, ils sont également capables de venir les arracher ici à Kinshasa au stade de Martyrs devant cette équipe du FC Les Aigles du Congo. Et là, Papi Kimoto et ses hommes sont capables bien sûr d'aller chercher ces points de la victoire.
Et c'est quelqu'un qui revient d'une victoire à l'extérieur face au CS Dambosson 1 contre 2. Attention, Balatitan, il va donc mettre en bois ce couloir. La passe des Balatitan, c'est dégagé par Manassé Wembo Nokanga. C'est fou, Masumbuko. Onoya Sangana pour Lupini Maoukou. La longue balle de Lupini Maoukou. C'est la tête du capitaine Manassé Wembo Nokanga. Exercice limité par les Masukama. Pas pour longtemps les unionistes avec Pati Ilunga Chibanda, l'ancien des Célestes et des Bandaka Sports. Ilunga Chibanda, buteur contre les Aigles du Congo lors de la première journée dans le groupe B. Ah oui, hein, c'était un joli but. Ah oui, je me souviens au centre technique Coureur en Pouvoir. Je me souviens de ces billes spectaculaires. En tout cas, un billet avec toute maestria. Tout à fait. Buteur également contre le groupe Machi Sport. Pati Ilunga Chibanda. C'est milieu de terrain offensif qui arrive avec l'idée de pallier la chance de Marcy Tegeli qui est actuellement en Tanzanie avec la formation de Young Africa. Lina Abedi pour Moutoula Deni. Réjoue avec son coéquipier Lina Abedi. C'est une touche pour la formation des Maniema Union. Paël Bataba. Oui, Bono Kanga qui tente de dégager, il a mal. Et voilà, capitaine des samouraïs, Manassé, oui, Bono Kanga. Un joueur d'expérience également. Il a très bien servi l'équipe, cette équipe à l'époque où elle s'appelait Jeune Sportif de Kinshasa, avant d'être bien sûr rachetée par le président Vijay Chimanga pour la rebaptiser FC Les Aigles du Congo. Ça reste des garçons talentueux, même s'ils n'ont jamais trouvé, bien sûr, on va dire, le bout des tunnels pour aller peut-être continuer leur carrière à l'étranger dans des clubs un peu plus prestigieux. Mais ça reste quand même de joueurs talentueux. Le centre de Moutoula Deni au premier poteau. Kitoa Rodrigue qui a tenté ces gestes si difficiles. Lina Abedi avec Nathan Mobaeloa. Moutuila Deli. La longue balle de Moutuila. Interceptée par Manassé Wembo Nokanga. Lina Abedi. Sans succès. Wembo dans son couloir. Tenté de dégager des bancs. Ça a été touché. Non, pas du tout. C'est une touche pour l'équipe visiteuse. Lina Abedi avec Onoya Sangana. Onoya pour Lina. Il va se battre pour conserver la balle. Il bénéficie quand même de cette touche. Et là, cette belle protection du ballon, il oblige à Boisboi de commettre cette faute sur lui. Ça aussi, ça s'apprend. Et surtout que Abedi, c'est un jeune joueur bien formé. Il suit du centre de formation de Vélor où il a passé plus de 3 ans ou 3 ans et demi de formation. Et là, le retrouver à ce niveau, c'est n'est plus étonnant. Denis Moutuila qui va se quitter à ce coup franc de l'association sportive Maniema Union de Kindu. Mais autant, oula, il a failli tromper les gardiens Moubobo Israël en visant donc le premier poteau. Heureusement, il y avait Moutuila. Il y a bien sûr Lina qui a défendu sur cette action. Ils sont un peu, ils ont quelques traits de ressemblance avec Denis Moutuila. Voilà. Il a mal le buteur Lupini Maoukou, l'ancien Enoudjak. Et surtout qu'il joue ses matchs avec une tête bandée. On croit, on espère que ça ne sera pas très dur pour lui et surtout pour Papé Kimoto qui est aujourd'hui passé à une défense à 4 alors qu'il a l'habitude d'évoluer avec 3 défenseurs.
Je crois bien que c'est l'absence du capitaine habituel de cette formation, bien sûr, qui l'oblige à changer son schéma tactique de 3 défenseurs à 4 défenseurs. On espère que Lupini, le buteur de tout à l'heure, de cet après-midi, bien sûr, dans ce match qui est en cours, va retrouver ses coéquipiers sur terrain. L'arbitre va relancer cette explication où Mani Maignan mène sur la marque de 0 contre 1 but inscrit par Lupini Maoukou de la tête. Wimbo Nukanda qui dégage. Bobo qui capte la balle tranquillement et la donne à Elton Kaembe Moujanaï. Le Masukama. Payen Bataba. Manasse Wimbo Nukanga avec Payen Bataba. Le Masukama au cœur de jeu. Geste de Lema Sukama avec Kikwa Mujinga. Guézo Kikwama, le centre de Kikwa Mujinga. C'est intercepté Djoumekou pour son coéquipier. Le tir, ça a été touché par le joueur. Apparemment, c'est son coéquipier qui a touché la balle parce que l'arbitre estime que c'est une sortie et non un corner pour les samouraïs du FC, les Aigles du Congo. Alors que sur l'action, il y avait une belle remise de Djoumekou sur son coéquipier. Je crois que c'est Boisbois qui a bénéficié de cette remise de la poitrine. Malheureusement, sa frappe est trop enlevée pour inquiéter le gardien de Jonathan Mobailoa, bien sûr, de l'AS Maniema Union. Le capot s'est levé car l'assistante a détecté la faute aérienne de Kito Rodrigue sur cette bataille avec le joueur des FC Les Aigles du Congo, belle tête de Lina Abedi. Magnifique duel à suivre aussi, Lina Abedi et Matobo Moubalou. Djoumekou Maxwell qui tente de remettre la balle à Matobo, son succès. Ah oui, c'est une belle opposition, un bon duel entre les deux jeunes joueurs, une nouvelle génération bien sûr de joueurs qui est en train d'intégrer le haut niveau du football congolais parce qu'ils sont nombreux. Ibrahim Matobo, Abed Lina, j'avais encore cité Konga Basile du côté du CS Don Bosco, encore Paco Talatala, ils sont très nombreux. Il y a un autre du côté de cette équipe de Aigles du Congo, Charles Moukefou. Ce sont ces jeunes joueurs-là, issus des académies par-ci par-là, qui sont en train de gagner leur place dans des grandes écuries de cette Ligue nationale de football, les Aigles du Congo, CS Don Bosco, Maniema Union. Dans Vita Club, il y a Eli Panzou, Jonathan Nikangalombo et tous ces jeunes joueurs-là. On espère que l'avenir est radieux pour le football congolais. Tout à fait. Au cœur de jeu avec Elton Kaembe Moujanaï. La longue balle d'Elton Kaembe Moujanaï, Matobo qui continue de croire, et oui, il ne croit pas décentrer Matobo. Le centre de Matobo, la tête de Djoumekou Maxwell. Ça passe à côté de cette cage du gardien Mobaelo Nathan. Et quelle vivacité de la part de Matobo. Et puis ce centre très bien exécuté. Regardez comment il a réussi à frapper cette tête au milieu des deux défenseurs de Maniema Union. En tout cas, la façon dont il prend le ballon, si c'est cadré, en tout cas, le gardien Mobailoa aurait eu beaucoup de difficultés à intercepter, bien sûr, ce ballon. La déviation des Bobo. Idumbo pour Maxwell. Une si longue balle qui a mis en difficulté l'avant-centre camerounais lancé des Gasobi du Rwanda. Maxwell Djoumekou. La tête de Lupini Maoukou. Il assure à 100% avec des balles aériennes. Oui, hein, il sait utiliser sa taille et son gabarit. Et voilà pourquoi il a toujours bénéficié de cette confiance de la faute des
Mwanda qui a Mwanda Exousia sur Kiko Mujinga. L'ancien des Vita Club et de la réunion du Congo aussi. Mwanda, ce sont des garçons intelligents. Ils peuvent défendre proprement ou même commettre des fautes intéressantes, parce que ça s'appelle faute intéressante. Il suffit juste de donner un espace à Kikwa Mamuzinga, l'action qui s'ensuit, et peut être dangereuse pour l'équipe. Tout à fait. Le ballon de Mukoko Amalé s'est dégagé par Pati Ilunga Chibanda. Idumbo. La tête d'Exousia Mwanda Kemwanda. Bala Titan face à Payen Bataba. Bala, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Bala Titan dans la surface, très à l'aise. Il va juste mettre son pied pour empêcher Bala Titan. Ah oui, c'est le geste qu'il fallait faire. Et là, il permet à son équipe de replier tous les autres qui étaient en attaque, parce que là, ils ont été pris en contre-attaque. Ils reviennent et ils vont défendre tranquillement sur ce coup de pied des coins. Oui, la pause en fraîcheur pour permettre aux artères de se rafraîchir, parce qu'il est vraiment très chaud ici. À Kinshasa, au stade des Martyrs. Une opportunité aussi pour les deux coachs, soit des staffs techniques, de parler aux joueurs et de donner quelques consignes. La question de bien se comporter pour les derniers quart d'heure de cette explication. Oumane Maignan assure avec l'avantage au marquoir grâce au but inscrit par Lupini Maoukou. Cette pause qui est très intéressante pour le footballeur. Et aujourd'hui, vous savez, le football fait intervenir plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Et là, selon le médecin, selon la médecine bien sûr, il est plus que capital de permettre à ce joueur-là, après 30 minutes, de venir bien sûr se réhydrater. Et je pense que il y a de bonnes recherches, ou soit de bonnes raisons qui les ont poussés à prendre cette décision. Et la faire adopter bien sûr par la Fédération Internationale de Football Association. Et c'est l'occasion également, comme vous l'avez dit, pour les deux entraîneurs de glisser quelques consignes, quelques mots à leurs joueurs, comme l'a fait bien sûr Papi Kimoto face à ces joueurs. Je vois là Rodrigue Kitoa, Denis Mutula et tous les autres. Mukoko Amalé, pour lui en tout cas, ça ne l'intéresse pas. Il est resté sur terrain, on va dire très concentré sur ce match-là. Exactement, c'est terminé cette pause fraîcheur, le cooling break qui permet donc aux joueurs de se désaltérer et de s'hydrater. La partie va continuer avec une remise pour Mané Maïno de Kidou. C'est bien sûr un coup de pied des coins concédé tout à l'heure par Payel Mbataba sur cette défense intelligente. Je crois sur Mala Titan. Le coup d'épée des points arrêté pour l'association sportive Mané Maïno de Kindou. Il est encore là dans la surface. Lupini Maoukou, le buteur de Mané Maïno. Il adore ce genre d'exercice. Lupini Maoukou, grâce à sa taille, il peut mettre en difficulté l'équipe adverse. Moutila Deni qui veut exécuter ce coup d'épée arrêté des points. Du match pour envoyer la balle dans la surface. Pourquoi pas les trouver Kitor Rodrigue ou encore Lupini Maoukou. Sinon il y a des garçons avec des bons tailles qui peuvent faire mal à cette défense. Le centre se quittait. Il y avait aussi Lupini avec sa tête. Deuxième corner successif pour ils sont allés trois sur lui. Parce qu'ils savent que de lui peut venir le danger. Et là, ils sont trois à son marquage. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent également faire mal. Le centre de Mutula Deni, intervention de Mugobo Israël. Il a mal Mugobo, Mutula qui récupère ce buteau. Kitoa pour Mutula Deni. Kitoa Rodrigue, la frappe de Kitoa. Exceptionnelle de Mugobo Israël. La frappe. Il a mal, mais il a quand même répondu de la plus belle manière. En tout cas, la frappe était belle. Entre l'action, elle est très belle. La frappe de Mutula, l'angle dans lequel il se retrouve pour armer cette frappe, le geste
du gardien Moubobo. En tout cas, tout est parfait sur cette action. En tout cas, il est magnifique. Regardez comment il arme sa frappe, la détente. Et il met ses ballons loin du cadre. Cette action est belle. Le gardien se quittait. Aïe. Des balatitans. C'est vraiment raté. Et Moubobo... Il ne prend pas ce ballon comme il est voulu Mbala Titan. En tout cas, il a voulu le prendre du plat du pied. Mais malheureusement, sa frappe s'envole. Ça a été trop soulevé. Voilà. Bayan Bataba. Les Masukama. Très beau pressing de Moutoula Deni. Bon moment pour Moutoula. Onoya Sangana. On est au cœur de jeu pour Pati Lugachi Banda. Et Jussé Mwanda Kiamanda, il arrive quand même, va tenter d'accélérer devant Koko Amale. C'est une touche pour les Kalembelembistes des Maniema. Regardez cette frappe. On revient sur cette frappe de Moutoula Deni. Elle était belle. La claquette également de Moubobo. Tout était parfait sur cette séquence-là. Moba Eloa avec Sefou Masumbuko. Le contrôle manqué des Sefou. Et c'est une touche pour les samouraïs. Et ses pieds de Noël Sengana non sanctionnés. Moutoula Deni pour les unionistes. La passe des Moutoula. Rodrigue Kitoa. Kitoa surveillé par Payel Bataba. Il va tenter d'accélérer. Mais c'est le pied magique de Payel Bataba pour empêcher Rodrigue Kitoa de pénétrer dans cette surface. Ah oui, hein, ces longues jambes qui sont hyper importantes pour l'équipe des Aigles du Congo. Parce que à chaque fois, Payel Mbataba arrive quand même à faire les gestes nécessaires. Et là, cette belle bataille, c'est une fois de plus lui, Payel Mbataba, qui, s'il y avait la VAR à mon avis, peut-être que il y aurait eu quelque chose. Moutoula Deni, pour se quitter, ses coups de pied arrêtés des coins. On est frappé par Moutoula Deni. Là, c'est un cadeau pour Moubobo Israël. Magnifique relance. Oula, Lina Abedi, encore lui pour intercepter cette relance. La passe de Lina Abedi pour Moutoula qui tente de trouver James Bomakinda sans succès. Elton Kaebe Moujanaï. Et c'est la tête de Sefou Masumbuko. Le centre et la tête de Lupili Maoukou. Les Masukama de la tête, la lutte aérienne avec cette balle pour les samouraïs. Koko Amale avec Mbala Titan, pas de faute signalée jusqu'à là. Koko qui va se battre. L'assistant qui a signalé la faute et le coup franc pour Maniema Inyo de Kindou. Ah voilà, parce que là, Koko Amale il se jette tout seul. Il se jette tout seul, bien sûr, malgré que Mbala Titan n'a pas compris pourquoi l'arbitre a sifflé. Même Moukoko, il s'est jeté tout seul et il n'a pas trompé la vigilance de l'assistant qui a très bien fait son boulot. La tête de Payel Mbataba, Moutoula Deni, omniprésent jusqu'à là. Il y a faute sur Deni Moutoula. International Ivan de la République démocratique du Congo qui avait pris part à la récente édition des Fatch Cup et aussi au tournoi de football des 9e jours de la francophonie en compagnie de Onoya Sangana, aussi James Bomakinda qui était de la partie. Matobo qui s'est fait rare, on est habitué à voir Matobo accélérer, créer des dangers dans son couloir, mais jusqu'à là. Oula, très bon geste, magnifique petit pont inséré à Matobo de la part de Pati Lungachi Banda Moutoula Deni qui tente de sortir donc ses missiles sans succès. Il essaie de surprendre tout le monde alors qu'il y a un de ses coéquipiers qui fait un appel sur son côté gauche. Malheureusement, il n'a pas vu, il a juste voulu faire ce qui lui est venu à l'idée. Malheureusement que c'est pas ce qu'on attendait. Payel Mbataba. Idumbo
avec Elton Kayembe Moujanaï. La relance d'Elton Kayembe. Djoumekou Maxwell, assistant 2, a détecté cette faute de Djoumekou sur Masumbuko. Mais c'est fou. Pati Lunga Chibanda, la passe de Pati Lunga Chibanda, Mbala Titan à toute vitesse. Mbala face à Elton Kayembe, le crochet de Mbala Titan. Il est dans la surface, Mbala, il a pris son temps avant de tenter de fixer donc Kito Rodrigue. Après avoir supprimé pratiquement Elton Kayembe Moujanaï. Alors qu'il a fait le plus dur sur cette action-là, l'appel dans le dos de la défense. C'est intelligent de la part de Noël Saint-Galin, cette talonnade. Mbala Titan pour Kito Rodrigue, sans danger pour les gardiens Bobo Israël. Payel Bataba. La passe de Bataba Payel. Matobo va tenter d'aller inquiéter Lina Abeli. Ah oui, Lina, il sait que ce garçon-là, on ne peut pas laisser d'espace. Il faut jouer au marquage avec lui. Mais regardez cette action de tout à l'heure. L'appel dans les dos et de la défense était excellent. Le crochet sur les défenseurs et qui glisse d'ailleurs. Mais il manque le dernier geste. Matobo, Matobo, il continue d'insister. Matobo, pas de faute sur Matobo. Le carton jaune à Matobo apparemment. Oui, le carton jaune à Matobo. Parce que je pense qu'il est trop jeune. Il doit rester concentré dans ses matchs. Il doit éviter cette habitude de toujours contester les décisions arbitrales. C'est pas une première. Je l'ai déjà vu. Là, il reçut le premier dribble sur Lina. Mais là, il n'y a pas contact avec Onoya Sangana. Au lieu de s'élever et puis se replacer, il fait ses gestes d'humeur et puis voilà. Alors que l'arbitre, je pense qu'il aurait pu laisser cette simulation, le geste qu'il fait après pousse l'arbitre bien sûr à sortir cette petite biscotte. Belle passe de Djoumekou, heureusement pour Maniema. Il y avait le géant Lupini Maoku pour intercepter cette balle. Les Masukama avec Kikuma Mujinga Ligezo. Il va réjouer parce que l'arbitre n'a pas autorisé. Les derniers virages de cette première période. Djoumekou. Boba Boba. La passe de Boba pour Koko Amalé. Le centre de Mukoko. C'était dans le dos des charmes Onoya Sengana. Boba Boba. Coincé de l'autre côté. Et la balle a mordu la ligne des touches, très bien vu par l'assistant 2. Dieu merci Koko Amalé, le latéral droit des FC Les Aigles du Congo. L'homme des centres inattendu. Lui peut proposer un centre même s'il est dans une mauvaise position. Dieu merci Koko Amalé. L'un de ces derniers en date, c'est celui qui a amené le but de merveille NBA contre le football club Saint-Éloi-Lupopo. Tout à fait. James Mbomakinda devant Malanso Mbono Kanga. Mbomakinda, la passe d'Mbomakinda pour qui? C'est donc Elton Kayembe Moujanaï. La passe d'Elton Kayembe qui tente de trouver Djoumekou. La réponse d'Elina Abedi. La déviation de Pati Lunga Chibanda pour James Mbomakinda. James Mbomakinda qui temporise. C'est bien bloqué devant par Boa. Lina pour nous quitter cette touche. Boa. Et les bons pressing de Noël Sengana. Il ne réussit quand même pas de ravir la balle. Donc on est dérobé la balle à Boa. Ah oui, hein, Boa, c'est l'un des meilleurs éléments de cette équipe du FC Les Aigles du Congo. Tout à fait. On va dire titulaire indiscutable à ses postes. Parce qu'on a vu de Michael Wango, céder leur place à d'autres joueurs. Le Idumbo, céder leur place. Mais là, Boa reste irremplaçable dans ces milieux du terrain du FC Les Aigles. Tout à fait. Et surtout, c'est dur avec... J'ai vu Kadeta Silva qui est blessé.
qui est assis au milieu du terrain avec Bois. Et qu'on essaie aussi les mains sous Kama. Une belle ligne des samouraïs qui a assuré aussi. Malheureusement, j'ai vu Kaki est blessé. Mais Bois va tenter de faire un très bon job pour son équipe cet après-midi. À l'absence de Jevic Tietasilwa. Ah oui, hein, c'est une belle équipe. Taillé sur Mézir également. Parce que sur le banc, il y a des garçons tels que les noms m'échappent, mais c'est un ancien joueur de l'AS Maniema Union également. Oui, il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. 0 pour les Aigles du Congo, 1 pour Maniema Union de Kindu. J'ai parlé bien sûr de Mbieye Bisamuna. Il est un de très bon milieu du terrain également qui compte l'ancien de Maniema Union bien sûr. Il joue face à son ancienne équipe. Le centre de Kikoma Mujinga, Ligezo la tête. Djoumekou qui touche la balle en seconde position. L'égalisation des FC, les Aigles du Congo. Le Camerounais Djoumekou. Et cette célébration. Les bons moments pour les samouraïs. De retourner au vestiaire avec ce but égalisateur. Très belle opération pour les samouraïs. Un but partout. Et oui, il y a là Djoumekou qui m'a fait penser à un certain Bafétimbi Gomis. L'ancien attaquant de l'équipe de France avec cette célébration là, il fait signe du temps de la récente Coupe d'Afrique des Nations bien sûr. Et ce sont des gestes qu'on aime voir, ces gestes qui accompagnent le football, ces célébrations qui peuvent rester également mythiques. Est-ce qu'il y a position litigieuse? Non, il n'y a pas de position litigieuse au moment où je crois que c'est Idumbo qui joue ses ballons de la tête. Il n'est pas en jeu parce qu'il y a Lupini qui couvre bien sûr. Un but partout. C'est la tête de Tom Kaebe Mouchanaï. Puis Djoumekou en seconde position. Et cette célébration comme Mabouloulou encore Bafétimbi Gomis. Ça donne un peu de beauté au jeu. Et c'est ce qu'on aime voir bien sûr. Du coup, buteur contre le Popo, contre Don Bosco aussi. Et oui, hein, l'attaquant camerounais qui donne un signal fort pour dire qu'il est venu travailler, bien sûr, à Kinshasa. Il n'est pas venu passer du temps Matobo, pour rien. Matobo, il est dans la surface Matobo. Mais non, comment peut-il jouer Matobo comme ça? Il s'amène avec ses ballons jusqu'au-delà de la ligne de but, jusqu'au-delà de la du périmètre, bien sûr, de jeu. Il faut arranger à la prochaine occasion. James Mbomakinda. Pas trop de problème. Il y a eu contact entre Mbataba et James Mbomakinda. Les deux joueurs restent cloués sous cette pelouse. Les soigneurs aidés, ces joueurs. Un but partout. Les Aigles du Congo qui a choisi les bons moments pour obtenir l'égalisation. Avec ce but de Djoumekou. Bien trouvé. Bon, c'était une tête aussi destinée à la cage des. Ah, regardez cette action. La tête. Change dans les chemins. Voilà. Et oui, hein, c'est les réflexes d'un attaquant. Il ne peut pas la laisser comme ça. Alors que. Peut-être que ça ne prenait pas la trajectoire du but. Il a joué comme un vrai renard de surface. Il doit mettre le pied, redresser ses ballons et pour s'assurer que son équipe va bénéficier de ces buts-là. C'est la pause. Un but partout entre le football club, les Aigles du Congo et l'association sportive Maniema Union de Kindu. Les Aigles du Congo ont obtenu l'égalisation juste avant la pause. Pourtant, Lupini avait pu ouvrir la marque pour Maniema Union. Bien entendu, cette expression, belle opération quand même pour les deux formations, surtout pour les Aigles du Congo, qui retournent au vestiaire avec ce but égalisateur qui va les motiver. Ah oui, hein, ils ont choisi le bon moment pour égaliser, parce que mener depuis une très grande partie de la rencontre, et là,
Alors qu'on s'apprêtait à rentrer au vestiaire, ils arrivent quand même à égaliser sur ces buts de Djoumekou. Je pense que la deuxième période sera très palpitante. Tout à fait. On laisse cette période entre les mains des Bétoni Manana et Chilo Mabela depuis la régie, ainsi qu'en fait d'un gourmand pour les comptes de la chaîne YouTube de la Ligue nationale de football, de foot RDC.
Allô, allô. Allô, 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 allô. Berrino. Allô, 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 allô. Berrino. Son. Ok, ok, son. Son. Nazoloba. Début d'anthologie. Des dribbles. Des métaux. Il est incroyable. Des spectacles. Un public chaud au rendez-vous. Pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées. Un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1. Début d'anthologie. Des dribbles. Des métaux. Il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1. Début d'anthologie. Des dribbles. Des métaux. Il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1. Début d'anthologie. Des dribbles. Des métaux. Il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1. Début d'anthologie. Des dribbles. Des métaux. Il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1.
début d'anthologie. Des dribbles. Et Beto, il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat d'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1. Début d'anthologie. Des dribbles. Et Beto, il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat d'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul champion. Kido Mazembe, Loupopo, V-Club, Dauphin Noir, Maniema Union, Lubumbashi Sport, Aigle du Congo et Don Bosco remportera l'édition 29 du championnat de la Linafoot Ligue 1. Début d'anthologie. Des dribbles. Et Beto, il est incroyable. Du spectacle. Un public chaud au rendez-vous pour vous faire passer des moments inoubliables. Vibrez au rythme de play-off du championnat d'élite de la République démocratique du Congo à partir du vendredi 1er mars 2024. Enfin. Oui, équipe. 14 journées, un seul.
ici au stade des Martyrs pour la deuxième période de cette explication entre les football clubs, les Aigles du Congo et l'association sportive Maniema Union de Kindu. Un but partout, Lupini Maoukou est le buteur des Maniema Union de Kindu et Djumeku Maxwell, le Camerounais, est le buteur des les Aigles du Congo. Pas de changement signalé jusqu'à là. Divengala Unoumé, la seconde période, ça annonce très rude, surtout pour les deux équipes. Mais les Aigles du Congo qui a égalisé juste avant la pause, je crois qu'ils sont vraiment très déterminés pour la suite. Pourquoi pas bouleverser cette explication? Moi je pense que là c'est un autre match qui commence avec ce score de parité. Il y a de part et d'autre deux équipes qui viennent avec deux ambitions. Bien sûr, cette ambition elle est d'ailleurs unique, celle d'aller chercher la victoire dans ces matchs-là. Et je pense que ça va être une très belle partie, ces 45 dernières minutes. Je pense que ça promet elles promettent bien sûr des étincelles. Tout à fait. Les joueurs se sont déjà positionnés pour la seconde période de cette explication. Le capitaine Manassé Wembono Kanga dans son couloir comme d'habitude. L'arbitre du match qui parle aux deux coachs. La question d'inculquer des bonnes manières pour la bonne suite de cette explication. Koko Amale qui parle avec l'arbitre du match. C'est lui le maître à jouer de cette explication. C'est lui le chef. C'est lui qui donne des consignes. C'est reparti ici au stade des Martyrs, un but partout, les Aigles du Congo, Maniema Union de Kindu, match content pour la poursuite des playoffs de la Lina Foot League. Donc Chris Production vous propose une deuxième période qui s'annonce très difficile pour les deux formations et l'objectif principal pour les deux clubs c'est d'arracher les trois points. Oui, hein, il faut aller chercher ces buts victoriés, il faut aller chercher à marquer ces buts de plus que son adversaire pour aller gagner les trois points de cet après-midi pour ces deux équipes qui sont à la recherche de ces trois points. Je pense que à l'allure où s'est terminée la première période, cette deuxième va proposer de belles choses. Denis Moutula et ses coéquipiers, ou encore Mkoko Amale et ses siens, ils vont chercher bien sûr à faire quelque chose de très intéressant dans ces matchs qui n'est pas un match facile, on l'a dit. C'est l'une des grandes affiches de cette phase de play-off. Tout à fait. Maniema Union qui est sur une mauvaise série de deux matchs sans succès. Et si l'équipe arrive à arracher les trois points, ça serait une bonne chose pour les coéquipiers de Charles Onoya Sengana. Le centre des Moutula Dieni. Attention avec cette balle qui traîne, qui doit. Quel geste pour ce second but de Maniema Union de Kindu. La balle qui traînait et qui doit n'a pas cherché la solution pour se compliquer la tâche. Oh là 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 là, c'est magnifique ce but de Kindu, Rodrigue. Un pour les Aigles, deux pour Maniema Union de Kindu. Ah oui, hein, Rodrigue Kindu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des garçons qui peuvent, en tout cas, vous sortir des gestes inattendus. Et là, sur ces ballons qui traînaient dans la surface de réparation, il sort, c'est retourné acrobatique. Et là, il permet à son équipe de prendre le devant. Regardez comment il frappe. Ouh là là ! En tout cas, c'était un grand attaquant. C'était un grand joueur, Rodrigue Kitoa. Regardez comment il frappe ses ballons. Il avait déjà inscrit un but pareil. Il trouve le poteau. Il ne regarde pas, il ne jette même pas un coup d'œil derrière pour savoir où il doit passer ses ballons. Et là, il sort ses gestes qui permet à son équipe de mener désormais de 8 à 1 devant les Aigles du Congo. Je me souviens la saison 2020-2021 contre la version du Congo. Deux buts partout, il avait inscrit un but pareil à toute fin de la partie. Avec l'équipe de Simba, si elle m'abuse. Oh là là, quel bijou de Kitoa Rodrigue. Et l'avantage à Maniema Union de Kindu dès l'entame. En tout cas, il faut avoir cette seconde période. Il faut avoir le réflexe d'un attaquant et vraiment alors et surtout pour sortir ces gestes. Bien sûr ces gestes-là. La touche effectuée par Mwanda Kiamwanda.
mon bobo Israël. Avec Payen Bataba. Bataba pour Manassé Mouimbono Kaga. La passe de Mouimbono Kaga. Encore Wembo qui continue dans son couloir. Matobo Moubalou. La faute et le coup franc à suivre pour les samouraïs des football clubs, les aigles du Congo. Kikou Mujinga pour envoyer cette balle dans la surface. Des réparations avec l'idée de trouver son coéquipier pour obtenir l'égalisation. La balle des Kikouama, c'est la tête de Lupini Maoku, Mukoko Amale. Il y a eu contact dans cette surface. Et la faute sur les géants Lupini Maoku. Là, je pense que Lupini n'est pas à 100% avec cette bande sur la tête. Mais il essaie quand même de se donner à fond pour son équipe. Il essaie de tenir et jouer intelligemment pour arriver à finir le 90 minutes. On revient sur ses buts de Rodrigue qui doit regarder comment il ne se pose pas trop de questions pour mettre le ballon là où il fallait, bien sûr, et permettre à son équipe de prendre le devant dans cette rencontre. Rodrigue qui doit, je le disais, c'est un attaquant, un vrai attaquant. Alors, son talent n'est pas prouvé. Il l'a démontré bien sûr avec la Simba, celui qui prenait d'ailleurs le relais après le départ de Fistonka Lavaele du côté de la Vita Club. Il a pris la relève du côté de la Simba et aujourd'hui, au sein de la Esmanie Maillon, il reste l'un des joueurs importants, je vais dire importantissime pour cette équipe de la Esmanie Maillon. Et aujourd'hui, il vient une fois de plus de l'éprouver avec ses buts sortis de nulle part. C'est juste venu de nulle part qui surprend tout le monde pour mettre Manié Maïgnon devant cette équipe du FC Les Ailes du Congo de buts à 1 dans cette rencontre qui se joue encore. Ah oui, il avait marqué ce but, ce genre de but face à la région du Congo, c'était les 12 octobre 2021 lors du match des 2 buts partout à toute fin de la partie. Les mêmes gestes, Rodrigue Toi, c'est un geste facile pour lui on peut dire. Il n'a pas voulu se compliquer la tâche avec cette balle qui traînait. Et le malheureux Mbobo n'a pas pu faire mieux avec les dans cette surface. Ah oui, hein, là, ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde, ce genre de gestes. Et voilà, le gardien n'est pas fautif sur cette action. C'est plutôt la défense qui laisse ses ballons traîner dans la surface des réparations. Parce que sur ce genre d'action, on ne peut pas se permettre de laisser les ballons traîner dans la surface comme ça a été le cas sur cette action qui permet à Kitoa de marquer le 12e but de Manié Maïgnon. La tête de Noël Sengana, Mukoko Amale. C'est dégagé par Mukoko Amale, Lupini Maoku qui arrive. Très bon contrôle de Manassé Wembo Nokanga. La lamballe de Manassé Wembo. La belle intervention d'Elina Abedi qui continue avec cette balle. Bomakinda, Matobo, l'ancien de Jacques Trésor. Sefou Masumbuko qui se loupe, manque de communication avec son coéquipier. Mbala Titan, l'ancien de la Renaissance face à Mukoko Amale. Mbala, il ne passera pas devant Mukoko Amale. Il va tenter son numéro comme d'habitude. Dieu merci Mukoko Amale. Mbala Titan était là pour l'empêcher de dégager parfaitement. La tête de Lina Abedi. James Momakinda. C'est dégagé par Lina Abedi. Très bon match quand même jusqu'à là pour Lina Abedi dans son couloir. Oui, hein, ce jeune joueur. Attention Matobo qui arrive. Encore Lina Abedi pour empêcher Matobo Moubalou. Les aigles du Congo. Obligé de réagir.
Après avoir encaissé ses seconds buts dès l'entame de la seconde période. Bois. C'est raté. Et la part des bois. Et la vitesse des Rodrigue Kitoa. Le Bobo Israël pour Etolka Mbe Moujanaï. La tête d'Elina Abedi. Manasse Wembo Lukanga. Qui arrive quand même à sortir la balle. Wembo. Lupini Maoukou va bien gérer la situation. Et c'est bien fait de la part de Lupini Maoukou. Qui empêche totalement Djoumekou Maxwell de s'emparer de cette balle. Ces gestes d'Embala Titam, Koko Amale. Et la faute a été signalée. Payel Mbataba pour le compte des samouraïs avec Elton Kayembe Moujanaï. Manasse Wembo Lukanga. De la poitrine pour Matobo. Très bien fait. Matobo encore. Il va démarrer Matobo. Le centre de Matobo. Quelle vitesse de sa part. Mais la finition n'est pas bonne. C'est une de ses meilleures qualités. C'est d'ailleurs sa qualité principale. Bon, sa vitesse, grâce à cette dernière, il arrive à mettre dans le vent plusieurs défenseurs, ses vis-à-vis bien sûr. Et là, depuis le début de cette rencontre, il n'est pas adroit dans les derniers gestes, raison pour laquelle il ne se met pas plus en exergue dans ses matchs. Et là, ces gestes d'être de Moukoko Amalé qui a pu coûter cher à son équipe. Heureusement pour le ZEC du Congo, Rodrigue Kitoa n'a pas eu la possibilité, bien sûr, de très bien gérer. Belle déviation pour Bois. Très bon geste de Bois. Il va tenter d'avancer la passe de Bois avec Idumbo. Idumbo qui va tenter de fixer Djoumekou qui remet. Ça a été touché par Lupini Maoukou. Quel travail de Lupini Maoukou. Une belle combinaison. Une belle séquence de jeu de ces joueurs de Aigle du Congo. En tout cas, bravo. Bravo à ces grands travails, surtout de l'attaquant Djoumekou, mais surtout de Lupini qui enraye bien sûr cette occasion bien construite. Kikoma Mujinga avec Matobo. Il joue avec Kikoma. Très bon retour d'Embala Titan qui envoie la balle loin devant. Pas trop de soucis pour les Aigles du Congo parce que Itumbo assure avec les gardiens de but. Mouvobo Israël. Et Tolka Ebe Moujanaï. Bois. Idumbo. Avec Bois. La relance de Bois. Encore. Lina Abedi. Dans les airs. Pour empêcher cette balle de Bois. Djoumekou. Qui contrôle. Et donne la passe. Empêché par Sefou Masumbuko. Payel Mbataba. Le Masukama. Adieu merci Mkoko Amale. Mkoko Amale pour Bois. En une touche. Bois à Mkoko Amale. Très bien protégé par Mkoko qui trouve Eton Kayembe Moujanaï. La longue balle d'Eton Kayembe. C'est la tête de Lupini Maoukou. La bataille est si rude. Quelle bataille. Eh oui. Mais déviation des Rodrigue Kitoa qui tente de perturber donc Payel Mbataba. Et le bon travail de Moukoko Amalé avec beaucoup d'énergie. Eton Kayembe Moujanaï. Eton Kayembe qui est donc l'ancien joueur de Mané Maïno de Kindou. La déviation de Djoumekou. Attention Kikoma qui frappe en première intention, mais s'il n'est pas cadré, Kikoma Mujinga Ligezo. Pati Lunga Chibanda. Empêché par Eton Kayembe. Le capitaine Manasse Wembo Lukanga dans son couloir pour Matobo. Matobo, il va tenter de percer. Matobo, le tacle. Magnifique. Delina Abedi. Deux changements en gestation côté samouraï avec Mbala Bloda et Merveille Mbeya.
la tête d'Exousia Mwanda Kiamwanda. Sortie de balle, pas trop de danger pour Mobaeloa. L'entrée des merveilles, Mbeya à la place de Lema Soukama. Et puis Idumbo qui cède sa place à Mbalabloda. Des nouvelles touches pour tenter de décanter la situation côté les Aigles du Congo. Avec ce système de deux avant-centres qu'instaure donc le coach, le belge Luc, à côté des Aigles du Congo, parce que Djoumekou est toujours là. Et oui, hein, les ambitions sont claires, bien sûr, les intentions, bien sûr, du coach Luc sont claires. On injecte le joueur offensif. C'est très bien dérobé par Rodrigue Akitoa. Le geste de Akitoa face à Mbataba, le centre. Pas très bien inséré ce centre. Lina Abedi. La passe de Lina. James Bomakinda pour Noya Sangana qui réjoue avec James Bomakinda. Il va tenter de percer. Mais ce couloir est très bien géré par le capitaine Malancé Wembo Nokanga. Ah oui, hein, c'est de l'expérience. C'est un joueur expérimenté sur ce côté-là. On ne peut pas lui passer n'importe comment, malgré bien sûr la vivacité, la vitesse et la technique de Mbala. De Bomakinda, s'il vous plaît. En tout cas. C'est bien bloqué derrière. Il faut beaucoup plus de tentatives et beaucoup plus d'intelligence pour arriver à trouver des solutions sur ce côté-là. C'est déjà l'heure de jeu. 60e minute de la partie. 1 pour les Aigles du Congo, 2 pour Maniema Union de Kindu. Oh là là, très bon contrôle des Rodrigue Akitoa. Akitoa qui trouve Mbala Titan à toute vitesse. Mbala, il est dans la surface, la passe des Mbala Titan en retrait. Mais ça a été empêché par Elton Kaebe Moujanaï. En tout cas, il a voulu jouer comme il est fallait. Mbala Titan. Djoumekou Maxwell. La passe de Djoumekou pour Kikoma Mujinga. Belle intervention de Lupini Maoukou. Il a mal, Lupini. Mais il ne va pas. Il s'est laissé comme ça, Lupini Maoukou. Djoumekou de la tête. L'intervention de Noya Sangana, deux joueurs sur Djoumekou, pas de faute signalée. Ah oui, hein, il faut défendre comme ça sur lui. C'est un garçon dangereux, il est très dangereux avec son jeu. Il sait protéger le ballon, il sait jouer dos au but. Et s'il trouve l'occasion de marquer, il ne pardonne pas, comme tout à l'heure. Et je pense que ça reste un joueur à surveiller. James Bomakinda. Bomakinda face à Wembo Nokanga. Wembo aidé par Mbalabloda. Mbalabloda. Est-ce qu'il y a faute sur Mbala? Oui, la faute sur Mbalabloda. Mbalabloda, l'ancien des JSK, c'est ça qui est devenu les Aigles du Congo. Il était l'un des pions majeurs de cette formation de la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en sigle. Avec un Gaïn Mpinga ou encore Wembo Nukanga, Bossamba Eyalé, Bikutu Kapilo et autres. Boba Boba, la passe des Boba qui tente d'assurer. Parce que j'ai vu que Deta Silva, le meneur de jeu, est blessé côté les Aigles du Congo. J'ai vu que les milieux de terrain des FC, les Aigles du Congo. Attention, Elton Kembe qui glisse encore. Et puis Nimaoukou, quelle énergie de sa part. Il n'a pas voulu rester cloué pour freiner la partie. La déviation de Djoumekou. Il y a faute de James Mbomakinda sur Matobo Moubalou et un très bon coup franc à suivre pour la formation. Des football clubs, les Aigles du Congo. Et il faudra un très bon tireur pour piéger les gardiens Mobaeloa. Et là, c'est très bien placé. Hein. C'est bien placé. Si on a un bon tireur de coup de pied arrêté, c'est une occasion, bien sûr, pour cette équipe du FC les Aigles du Congo. Kikoma Mujinga peut les faire. Ah oui, hein, il en a déjà marqué. Ouais, surtout avec la réaction du Congo. Il joue avec le Cérénaissance du Congo. Il est venu aujourd'hui au Cérénaissance du Congo. Je pense qu'il y a des garçons capables de bien jouer
sur cette action-là. Le mur de Manu Manu de Kindo avec 5 joueurs dont Lina Abedi, Odo Kitoa, c'est fou. Patilunga, Chibanda aussi. Les coups francs, DFC Les Aigles. Il y a aussi Jussé Mwanda qui est Mwanda dans le mur. Placé par les gardiens, Mobin et Loa. Sur ces coups francs qui commence avec Zokite. Le ballon de Kikwa Mujinga au-dessus de la barre transversale de Nathan Mobaeloa. Il reçut quand même à contourner les murs, mais il ne reçut pas à la rabattre comme il se doit pour aller inquiéter Mobaeloa. Heureusement pour Manier Maïdion qui garde, qui conserve, qui continue bien sûr à mener au score de 8 à 1 dans cette opposition. On a bien sûr eu assisté à trois beaux buts bien sûr, parce que celui de Djoumekou était également intéressant. Il faut avoir les réflexes d'un bon attaquant pour les détourner dans le but. Djoumekou, c'est fou pour tenter de bien couvrir cette coule-là. Il va se jeter au panneau publicitaire. Attention, ça doit faire mal, ça doit faire mal. C'est fou, Masumbuko. Et c'est Kitamba la GFT. Kitamba la GFT, bien sûr. Non, il n'y a pas contact. C'est juste l'élan qu'il a pris. Excès de vitesse. Excès de vitesse, si on doit le dire comme ça, s'il était dans le transport en commun. Et là, c'est bien sûr, il n'a pas su freiner son élan. Et ce qui l'amène, bien sûr, à faire cette chute sur ces panneaux publicitaires, bien sûr. Mais sinon, je ne crois pas qu'il y ait une poussette de Djoumekou. La touche avec Dieu merci, Koko Amale, Djoumekou. Et là, c'est Lupini Maoukou. Djoumekou qui tente de contrôler la balle face à Lupini. Très bien défendu par Lupini Maoukou. Excellent jusque-là, Lupini. Ah oui, hein, côté Maniema, il y a Lupini, Lina Abedi et Moutula Denis aussi qui font un très bon match. Denis aussi, pas mal. Et surtout, qui essaie d'arranger sa prestation avec ses buts sortis de nulle part. Mais ça reste quand même une belle équipe. Une équipe solide qui défend, qui attaque ensemble. Et je me dirais qu'il n'y a pas de superstar dans cette équipe-là. On est tous joueurs. Un peu comme l'Atlético Madrid. On va dire que le coach Kimoto, c'est le Diego Simeone congolais. Parce qu'il impose un système. Il impose, bien sûr. J'ai un ami qui a toujours dit que dans cette équipe de Maniema Union, dans une équipe dirigée par Papi Kimoto, la qualité première pour l'intégrer, c'est bien sûr avoir une bonne condition physique. Être capable de défendre du début à la fin. Et les autres qualités, bien sûr, viennent après. La technicité, les autres qualités, vous pouvez en avoir au cours de match. Mais la qualité première pour être retenu dans l'équipe de Papi Kimoto, c'est être au point physiquement. Tout à fait. C'est aussi très important d'avoir une bonne condition physique. Mwanda qui est Mwanda pour vous quitter cette touche. L'ancien de l'académique club Rangier et des BC Football Club. Balabloda. La passe des Balabloda pour Mbeya. Elle s'est dégagée avec beaucoup d'efforts par Sefou Masumbuko. L'arbitre du match revient sur la faute au passage. La faute commise sur Balabloda. Koko Amale, le centre de Koko Amale au second poteau. La remise de Djoumekou, duel, c'est plutôt Mbeya Merveille. Ancien des Goldson, ancien coéquipier des Merdi Kafouti, qui est voulu actuellement à Kabouchkop en Angola. L'ancien de la maison du Congo, Merdi Kafouti. Ils ont joué ensemble avec
Mbeya au sein des Gold Sand. Les changements côté Maniema Union. Je crois Mbala Titan qui va quitter ses coéquipiers. C'est plutôt Pati Ilunga. Ouais, Ilunga Chibanda qui cède aussi. Ça fait donc deux changements. Il y a deux changements. Mbala Titan qui quitte ses coéquipiers. Mbala qui cède sa place à Bokingo. Et puis Ajibasala Mongo monte à la place de Pati Ilunga Chibanda. C'est dégagé devant par Moba Eloa. La lutte aérienne entre Bokingo et Koko Amale. C'est une touche en faveur des FC Les Aigles du Congo. Djumeko. Oula. C'est un bon bagarreur, c'est Djumeko. Regardez comment elle réussit quand même à protéger son ballon entre deux défenseurs de Maniema Union, même si la passe en direction de son coéquipier n'est pas très bien ajustée. Mais ça reste quand même un très bon bagarreur. Paël Bataba pour Moubobo Israël. Balabeda. Belle protection des balles. Limbala, Mkoko Amale qui se loupe sur cette transmission. Il y a faute sur Elton Kaembe Moujanaï. Bella Bakwaima, le meilleur buteur de l'équipe, qui va effectuer son entrée. C'est aussi un grand joueur. Un joueur avec un talent incontestable, si je dois le dire comme ça. Bella Bakwaima, il nous a émerveillé lors de la phase classique de ce championnat. Et même lors de quelques matchs où il est apparu lors de cette phase de play-off. Et aujourd'hui, c'est peut-être lui qui va trouver la solution. C'est peut-être de lui que la solution va venir pour cette équipe des Aigles du Congo. Parce que sur terrain, l'attaque de cette équipe de Samouraï ne tourne pas trop. Apparemment, Bella a pris la place des Kikoma Mujinga Igezo. Et oui, c'est Kikoma qui a cédé sa place à Bella Bakwaima. Belle intervention de Moubobo Israël. Bobo. La lutte aérienne entre Sefou Masumbuko et Djumeko Maxwell. La déviation de Kitoa pour Mbala Bleda. Manasse Wembolo Kanga. Il combine avec les gardiens de but Israël Moubobo, l'ancien des cercles sportifs d'Ambosco et même du TP Mazembe où il était là l'année passée. Le joueur de la sagesse et aussi des KFA, Moubobo Israël. Son 12e minute de jeu, 1 pour les Aigles du Congo, 2 pour Maniema Union de Kindu. Il y a un joueur qui restait cloué. C'est Rodrigo Kakitoa, accompagné par quelques membres de la Croix-Rouge. Il va quitter ses coéquipiers. C'est Kitambala qui va monter. Il donne bien sûr une occasion en or à Kitambala, JFT, de jouer les quelques minutes qui restent dans cette partie. Il a fait le job en marquant ce deuxième but de Maniema Union. Et là, JFT Kitambala, qui est aussi un tueur, un runner des surfaces, un buteur, un grand joueur également, qui peut venir, pourquoi pas, achever le boulot déjà commencé à amorcer par ses coéquipiers. Bravo,
Et ton cas de bouche en aille. Oui, mon nom, Kanga. Matobo, dans son couloir, Matobo pour Mkoko Amale. C'est mon geste de Mkoko. Mkoko pour qui? Il s'appuie toujours Matobo Moubalou. Matobo, le centre de Matobo. Rien de spécial. Ah oui, hein, qui ne montre pas, qui ne fait pas preuve de ses qualités, Matobo, depuis le début de cette rencontre. Et c'est bien lui. Jefté Kitambala qui va monter à la place de Victoire Kitambala, le préféré de Goma Alfred. Il va effectuer son entrée. Ah oui, Goma Alfred, il a l'occasion bien sûr, il a bien sûr la possibilité de connaître ses joueurs parce qu'il est dans ce qu'on appelle le métier du sport. Nous sommes toujours là, côté de ces sportifs, pour la production de matchs, pour la couverture des événements sportifs. Et là, Alfred Ngoma n'est pas un novice dans ce métier. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il soit cette personne capable de connaître les qualités de certains athlètes. La montée de Kitambala, GFT, le joueur du TP Mazembe prêté à l'association sportive Maniema Union de Kindu. Lui qui, pendant la pré-saison, il était chez Vita Club. Mais Mazembe n'a pas voulu céder Kitambala à Vita Club. Il n'a pas voulu, bien sûr, armer un concurrent direct, et bien sûr on a préféré bien sûr le prêter à l'AS Maniema Union. Le second buteur de Maniema Union, Kitoa Rodrigue, auteur d'un but somptueux, magnifique à retourner de sa part. Rodrigue et Kitoa, oula, ses pieds de Payen Bataba sur Kitambala GFT. Il y a une faute, mais après il y a ces gestes de fair play. Difficile. Il y a ces gestes. Très alléchant ces duels entre Kitambala et Payen Bataba. Parce qu'avec Rodrigue Kitoa, la taille était à l'avantage, bien sûr, du défenseur du FC Les Aigles. Et là, avec Kitambala et les gabarits et la taille, ça tourne à l'avantage, bien sûr, du joueur de Kambelembele. À 6 mètres, sortie de but. Non, on revoit ce but. Oh là, incroyable. Le but de Rodrigue Kitoa, il est somptueux. Il ne s'est pas posé des questions pour marquer comme un vrai attaquant, un vrai renard de surface. Il sait où se trouve le poteau, où se positionne le gardien à ce moment-là. Et il n'a qu'à jouer ce ballon pour faire mouche et marquer ce deuxième but de Maniema Union. La passe de Bachala Mango pour Bokingo. William Bokingo, le centre de William. Payen Bataba qui contrôle et dégage. C'est sans conviction ce ballon de Bokingo. Il ne sait pas à qui il le donne. Exusia Wanda Kiawanda avec Nathan Mobaeloa. La longue balle de Nathan Mobaeloa. La déviation de Kitambala à Bokingo Wengele. William Bokingo, il y a position de hors-jeu. William Bokingo, l'ancien des associations sportives d'Ofenoa de Goma. C'est quasiment une famille, d'Ofenoa, Maniema Union. C'est un peu comme Don Bosco, les tout puissants Mazembe. Il y a deux joueurs qui peuvent facilement quitter Maniema Union et jouer dans d'Ofenoa et vice versa. Et je pense que c'est comme le tout puissant Mazembe et le CS Don Bosco, je le disais tantôt. Oh là là, cette tête de Noya Sengena. Je crois qu'il a été touché par Merveille Mbeya, l'avant-centre des football clubs Les Aigles du Congo. Attention Kitambala qui surgit. Oh là là, il a failli surprendre donc Payen Bataba. Un succès coup, mais son tir a été très mal orienté. Bobo, il faut libérer la balle. Il y a faute sur Bobo. Belle protection quand même. Oui, c'est un maestro. C'est un joueur doté d'une technique très bonne.
Et je pense que c'est très difficile de récupérer le ballon quand il a bien sûr. Et là, il a très bien protégé son ballon jusqu'à avoir cette faute. La tête de Sefou Masumbuko. Onoya Sengana qui ouvre pour William Bokingo. Pas de faute sur William Bokingo. Pas de poussette détectée. La déviation de Matobo Mubalu. Encore Sefou Masumbuko. Le dégagement autoritaire de Masumbuko sur cette action. Et qu'y a-t-il? C'est une touche pour... Non, c'est un coup franc pour les Aigles du Congo. Dieu merci Moukoko Amalé qui va travailler ses ballons. La lambade de Moukoko Amalé. La tête, c'est son coéquipier qui empêche sa tête. Et il y a une position litigieuse qui a été signalée par l'assistante. Regardez, c'est Djoumekou qui barre ses ballons de MBA, même si au départ, il y a cette position litigieuse signalée. Bon. Balabioda. Payen Bataba. Et Tolka Mbe Moujanaï pour Payen Bataba, les Brazzavillois qui réjouent avec Tolka Mbe. La tête de Xusia Mwanda Kiamwanda. La bataille aérienne au cœur de jeu, c'est Balabioda pour les comptes des samouraïs des FC Les Aigles du Congo. Bela Bakwaima, ballon perdu par Bela Bakwaima. Pas grand chose depuis son entrée, Bela. On lui a 5 en milieu de terrain, ballon perdu. Balabioda. Bela ne s'est pas mis à. En tout cas, il ne s'est pas. Il n'a pas montré son talent depuis qu'il est sur l'ère des jeux. Il n'a pas eu des occasions, bien sûr, de se mettre en valeur, mais ça reste un grand joueur qui peut surprendre n'importe quel moment. Moi, ce que j'ai remarqué, Bela Bakwaima a perdu sa grosse performance juste à toute fin de la manche retour du groupe B. Ah oui, hein, ce n'est plus le même Bela Bakwaima. Et surtout pendant la phase des playoffs, ce n'est plus le même Bela. En tout cas, ce n'est plus le même qui a sorti de grosses performances. La balle de Djoumekou avec Mbeya, c'était Bela. On fait contrôle de Bela Bakwaima. James Momakinda, avec sa vitesse, avec beaucoup d'audace aussi. Mais c'est une touche pour les Aigles qui se précipitent car c'est le dernier virage de ces matchs. Mansou Mbolo Kanga qui exécute la touche avec Payen Bataba. C'est James, c'est un joueur exceptionnel avec sa pointe de vitesse. Regardez, on joue la 82e minute. Voir un joueur sortir cette pointe de vitesse là, en tout cas, il faut avoir du souffle pour arriver à les faire. Mais James peut quand même les faire. Bokingo. Kitambala pour William Bokingo. William, pourquoi pas proposer un très bon centre. C'est la tête des Manassé Wembolo Kanga. Bobo. La passe des Bobois. Oh là là. Les gardiens. Bobaelo a très bien compris. Il est resté vigilant. Il a très bien lu le jeu. Jusqu'à se transformer en libéraux pour empêcher cette action des Aigles du Congo, bien sûr, du FC Les Aigles du Congo, de poursuivre. Parce que sa défense était un peu distraite sur cette action-là. Balabioda. Mbala, le centre des Balabioda. C'est dégagé par Sefou Masumbuko. Koko Amale, Bela Bakwaima, très bien défendu par Basiala Amongo. Encore le mauvais geste de Bakwaima. Il y a la mauvaise passe. Qui est pris par des déchets techniques
Alors un joueur qu'on connaît très à l'aise, balle au pied, qui force pas son talent bien sûr pour jouer. Mais là, depuis un certain moment, ce n'est plus le même Bella qu'on a connu, celui qui a émerveillé le public du stade Tata Raphaël lors de la phase classique. Mais on espère qu'on va retrouver ce joueur lors de la phase retour bien sûr de ces playoffs. William Bokingo. Bokingo, la passe dans l'espace pour Bassiala Mongo. C'est très bien construit par le unioniste. Attention, James Momakinda, les bons crochets de James. Mais non, James. Il ne peut pas jouer comme ça. Voilà. Il ne peut pas jouer comme ça. Il a le choix. Il a la possibilité, bien sûr, de servir ses coéquipiers très bien placés. Parce que le geste qu'il fait, il est parfait. Charles Bokefou va entrer côté les ailes. Mauvais choix de la part de James Momakinda. Encore lui, James Momakinda devant Sewembo Lokanga. Oh là là, l'accélération, les grands points de James Momakinda. James ne pourra pas décentrer. Empêché par Bobo qui est sur toutes les phases, dans la phase offensive et la phase décisive. La phase offensive et la phase défensive, voulais-je dire. Les changements côté les aigles du Congo avec la sortie des Djoumekou. Oui. C'est bien sûr lui qui cède sa place à Charles Bokefou. Le surnommé Majabou. Bokefou Charles. Lui, il fait toujours son entrée dans les derniers virages. On ne sait pas, est-ce qu'il n'a pas encore à ce niveau de débuter un match. Donc ça dépend de la philosophie des coachs. Luc qui voit d'utiliser Charles Bokefou toujours à toute fin de la partie. C'est aussi un jeune joueur qu'on doit progressivement mettre dans le bain. Parce qu'il a brûlé les étapes, bien sûr, si on doit les dire comme ça. Je ne l'ai jamais vu au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, encore moins en championnat de la deuxième division, la Ligue 2, bien sûr. Et là, il intègre le plus haut niveau de la République, c'est-à-dire le championnat de la première division de la Ligue de foot. Et l'entraîneur doit aussi être intelligent, il doit l'utiliser stratégiquement. William Bokingo. Exusia Mwandeke Mwanda. La passe d'Exusia pour William Bokingo. Bokingo avec Jefté Kitambala. Kitambala qui avance. Kitambala est dans la surface. La frappe de Kitambala, Jefté. Il est en ras du sol. Il est empêché par Boubobo. Frappe. Il ne le prend pas très bien. Il ne prend pas très bien le ballon. Alors que le plus dur était fait. C'est lui le mettre dans le vent, la défense. Les aigles du Congo essaient de faire bien sûr du marquage de Elton Kayembe. Maladeda pour les comptes des samouraïs. Lina Abedi qui bloque dans son couloir. James Momakinda pour Noya Sangana. Moutula Deli qui temporise avec Lina Abedi, le petit frère de Meshek Elia. Oui, hein, le voir aujourd'hui titulaire dans un match du championnat de la Ligue nationale de football. Ah mais regardez ce geste de James. Il a la possibilité, regardez comment il arrive à déséquilibrer Pael Mbataba. Et là il a la possibilité de servir ses coéquipiers, Bokingo ou encore celui qui était juste devant lui. Mais il fait le mauvais choix. J'ai parlé de ce jeune Abedilina Bokomboli. Sa présence, soit sa titularisation, j'y arrive, dans un match du championnat national, le plus haut niveau de la République. Ça fait le bonheur de celui qui l'a encadré. Là, je cite le promoteur du centre des formations Bellor, Monsieur Lolo Mosango Ebisa, qui a vu autrement le football, c'est-à-dire donner plus l'avantage ou soit la possibilité aux plus jeunes, les recruter dès les bas âges, le mettre dans un cadre qui puisse le permettre d'être bien formé pour dans l'avenir servir le football congolais. Et aujourd'hui, Abedina sert Manié Maïgnon. Le centre de Moukoko Amalé s'est renvoyé par la défense de Manié Maïgnon de Kindou. Il y a faute sur William Bokingo Benguele. Et l'intervention des soigneurs. Bien étudié la situation de William Bokingo. Il s'est pris un coup plein dans le visage.
Il faut l'intervention, bien sûr, des soigneurs. Ah oui, hein, c'est les coups de bois. Sur cette intervention, bien sûr, autoritaire. Il a fallu quand même l'intervention de médecins pour s'enquérir de sa situation. Il va très bien. J'espère qu'il va poursuivre la partie, même s'il respire par la bouche. Il faut comprendre qu'il y a de l'intensité dans cette rencontre entre samouraïs et unionistes. C'est le 7e match des Manema Union. Dernier, bien sûr, de la phase aller. Tout à fait. Si Manema arrive à s'imposer, l'équipe va totaliser 13 points et va prendre provisoirement la tête du classement de cette phase des playoffs avec 13 unités devant Mazembe qui a 12 points, le Boko aussi qui a 12 points. Le Mazembe n'a livré que 4 matchs. Donc 3 victoires, donc 4 victoires parce que lorsque. Le match contre le Feyenoord, bien sûr. Mazembe l'a remporté par forfait. Effectivement. Comme la Esmanie Magnon et la Spita. Pareil, les aigles du Congo. Les aigles du Congo. Et pour son dernier match, les aigles du Congo va croiser encore, recevoir les TP Mazembe. C'est à l'équipe à vous prochain. Bela Bakwaima. Attention, Matobo. C'est dégagé par Lupini Maoukou. Ce geste de Matobo qui a tendance à contester les décisions arbitrales pour sa jeune carrière. Moi, je pense que le staff de cette équipe du FC Les Aigles du Congo, ils doivent beaucoup parler avec ces jeunes. Les décisions arbitrales ne sont pas à contester. Ne sont pas à contester, bien sûr. Il doit obtempérer et continuer à faire son job, bien sûr. C'est lui de jouer au football. Les temps réglementaires est épuisé maintenant. 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes pour l'équipe quinoise du FC Les Aigles du Congo d'aller chercher cette égalisation. 6 minutes pour l'équipe de Maniema aussi de conserver l'avantage, pourquoi pas d'alourdir la marque. Je savais qu'il allait, bien sûr, le jouer directement, même si il ne prend pas le ballon comme il le voulait. Jeffrey Kitamba là. Balabioda. Mukefu qui tente de supprimer donc Lina Abedi. Ah oui, hein, ce geste mal maîtrisé. Le carton jaune. Le carton jaune à Lina Abedi. Bien sûr, il n'a pas maîtrisé son geste. Sur cette action, c'était plutôt face à Matobo. Et le coach Luc qui se pose trop de questions. Point à suivre pour les samouraïs des FC, les aigles du Congo avec Bela Bakwaima. Le centre des Bela Bakwaima. Oh là là, c'est magnifique! Et c'est donc l'intervention magistrale des Moba Eloi qui empêche ce but. Les aigles du Congo, les corners pour les samouraïs. Le centre à suivre. La déviation, la balle qui traîne toujours. C'est dégagé par Jussé Mwanda Kiamwanda. Bois. Les tirs calibrés de Bois. Contrée. Eh oui, c'est bloqué. Qu'y a-t-il? Il faut se calmer. Les esprits qui s'échauffent. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a coup franc pour les samouraïs? Regardez cette action. Regardez ses gestes. Et la parade, bien sûr. Chiloba est là, nous a dit à bien revoir cet angle avec Bethany Manana. Ouh là là, on est acrobatique. Des merveilles MBA. Ah oui, c'est bien lui, merveille MBA. Ou bien, il est passé à quelques centimètres près de devenir le héros de cette équipe comme contre Loupopo. Non, les communications, manque de communication entre la défense et le gardien. Payer cash. Ça a failli payer cash, hein. Parce que le joueur de... Les aigles du Congo est resté
il a failli surprendre les deux. Le gardien Moba Eloi et sa défense. Sur le coup, j'ai vu Lupini ainsi que Lina qui font signe à Moba Eloi de venir prendre le ballon alors qu'il est très loin. Et c'est télescopage entre Moba Eloi et Lupini. Heureusement pour les unionistes, le pied de Moukefou est trop court sur cette action-là. Le gardien Moba Eloi qui s'est fait soigner. Après, c'était le scopage avec son coéquipier l'autre jour. Voilà Lupini qui donne des consignes à son jeune frère. Il est dit qu'il faut très bien protéger sur ce genre d'action. Il faut carrément empêcher le passage à l'attaquant au lieu de faire signe au gardien alors que tu n'as pas très bien protégé ton ballon. Et c'est allé très vite, le corner avec Bella Bakwaima, Bella face à Bachala Mongo. Le second corner successif pour les samouraïs du FC Les Aigles du Congo. Cette fois-là, je pense qu'il va aller jouer directement dans la surface des réparations. Le centre à suivre sera envoyé par Lina Abedi. Ça sera cette fois-là une remise en touche. On laisse les ballons à Manassé Ouembo. Ça sera peut-être une très longue touche, j'espère. Tout à fait. Ouembo Nokenga pour la longue touche. C'est la tête de Bachala Mongo Moutila Deni. Ballon dégagé loin devant. Pour Mombakinda James. James Mombakinda. Boa. Il s'en sort très bien. Il a pris un petit coup au passage. Et ça a été signalé. Makinda qui a débuté le match, mais avoir sa pointe de vitesse dans les temps additionnels. En tout cas, il est extraordinaire. C'est Mbo Makinda. On dirait qu'il a triple poumon. Et comme Kaembe Moujanaï. Pas de faute sur l'avant-centre. C'est le contraire. C'est le contraire, bien la sûr. Faute, c'est plutôt lui qui commet la faute. Merveille Mbéa. La victoire des Manima qui se dessine, mais. Ah oui, hein, parce que. Il jusqu'à là. Il ne reste, que quelques secondes. Un peu plus de 30 pour. Les unionistes d'enregistrer cette victoire devant les Aigles du Congo à Kinshasa au stade de Martyrs. Et c'est relancé, bien sûr, vous l'aviez dit tout à l'heure, prendre momentanément la tête au classement. La lutte aérienne, c'est la tête de Tolkaembe Moujanaï. Moukefou avec Bela Bakwaima. Très mal enchaîné cette balle. Et la touche. C'est peut-être la dernière. Et oui, c'est terminé. C'est terminé. Mani Magno s'impose 1 contre 2 face au FC Les Aigles du Congo. Ah oui, hein, belle victoire de l'équipe des Papi Kimoto en déplacement sur le terrain du FC Les Aigles du Congo. Le terrain du stade de Martyrs. Et là, l'équipe de Kindu se relance dans cette compétition. Après ces beaux matchs. Avec. Deux buts signés par Lupini de la tête. Un autre but de Rodrigue Kitoa, ces jolis buts. Ces buts spectaculaires. Et l'égalisation, bien sûr, du FC Les Aigles du Congo qui a intervenu peu avant la pause. C'était une réalisation de Maxuel Djoumekou, le Camerounais. C'est lui qui permettait, bien sûr, à l'équipe de Kinshasa, le FC Les Aigles du Congo, de revenir dans ce match. Mais ils ont été surpris tout au début de la seconde période avec ce but de. Le but de Rodrigue Kitoa, bien sûr, c'est lui qui a permis à l'équipe de Manier Magnon de l'emporter dans cette rencontre et a enregistré le 3 points de la journée face à cette équipe du FC Les Aigles du Congo.